Salut les gars, comment est-ce que ça va? Bon, attendez. On baisse un petit peu le son pour pouvoir s'entendre un petit peu dans la baraque. J'espère que ça va les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo comme d'habitude, dans la précipitation, dans l'improvisation, dans la bonne humeur, la joie, et puis tout ce qui va avec. Voilà, je voulais juste vous faire écouter, parce que là, je me suis fait un petit kiff aujourd'hui, tu vois. Un petit kiff. De temps en temps, ça fait du bien de se faire des kiffs, tu vois. Avec deux enceintes qui sont très rares. Très rares, pourquoi très rares? Parce qu'en France, je sais pas qui est-ce qui les a. Mais les deux modèles en simultané, tu peux être sûr que je suis le seul. Je suis quasiment sûr. Mais après, qui est-ce qui a ces enceintes-là? Pareil en France, s'il y en a des possesseurs, manifestez-vous les gars, parce que c'est vraiment des superbes enceintes qui sont pour moi méconnues encore une fois de plus. Donc c'est vrai que je vous fais des vidéos sur des enceintes qui sont pas forcément connues, mais c'est parce que moi, vu que je collectionne, forcément, bah tu vois, je déniche des choses qui sont pas forcément, on va dire, plébiscitées sur le net, où tu vois, il va y avoir plein d'infos et tout sur les forums, sur ces enceintes-là. Parce que je recherche vraiment le truc, tu vois, la petite perle rare, mais à mon goût et qui me plaît à moi avant tout en fait. Donc voilà les gars, donc là je vais vous montrer deux belles colonnes, franchement on peut dire deux belles colonnes, de chez Dinaudio et de chez Paradigme. Alors là c'est vraiment deux belles enceintes, comme tu peux voir, avec la particularité d'avoir deux 20 cm pour chacune d'elles. Bon alors ce qui est assez drôle, c'est que bon là, quand tu mesures ici, il n'y a pas 20 cm. Hein. Donc je sais pas, ils ont fait la mesure du saladier, tu vois, mais quand tu fais les mesures, c'est pas, il n'y a pas 20 cm. Et puis sinon sur la paradigme, le boomer fait un peu plus gros. Donc voilà, après c'est. Ah, tu connais. C'est les caractéristiques techniques des constructeurs. Mais là, on est plus dans le vrai. Voilà, on est plus dans le vrai. Donc, avec les évents qui sont devant, donc sur les deux enceintes, tu vois. Donc, elles sont assez similaires. Elles sont assez similaires. Tweeter Titan, avec un petit médium en mica polymère. D'ailleurs, que je trouve, il est vraiment une signature particulière, ce médium de la paradigme. Je le trouve très, très, très bon. Après, sur la Dinaudio, on a Tweeter Atom souple. Et comme tu peux remarquer, donc avec la marque de fabrique à Dinaudio, hein, tu vois, avec ses haut-parleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre ces deux enceintes-là? J'ai envie de te dire que le son est vraiment différent entre les deux. Il n'y a pas... pour moi, il y en a une que je vais préférer, forcément, parce que on a des goûts, chacun ses goûts. Mais après, en termes de signature sonore, c'est vraiment différent, vous allez le voir. Moi, à mon sens, les Dinaudio sont assez dynamiques. Elles sont très, très détaillées, elles sont dans le détail, dans la précision. Alors que la Paradigme, elles vont avoir une scène sonore qui va être très ouverte. Très ouverte. J'adore le grain du médium, alors je sais pas pourquoi j'adore ce grain-là. C'est des enceintes qui se font oublier à l'écoute, en fait, tu les écoutes et tu peux écouter vraiment tout style de musique dessus. Donc encore une fois, moi aussi c'est un petit peu ça que j'aime bien, tu vois, dans les enceintes, c'est pouvoir écouter vraiment tous les styles de musique, parce que j'écoute de tout, et ça vous le savez les gars, je suis pas j'écoute pas que du rock, que du rap, que du classique, que du blues, que du gangsta rap, que de l'électro, j'écoute vraiment de tout. Donc voilà, d'ailleurs je vais pouvoir t'en témoigner, hein, parce que quand tu regardes toutes mes collections de CD, j'ai vraiment des CD de part et d'autre, tu vois, que j'ai ressorti dernièrement. Et tu vois, je me fais des petits plaisirs sur ma petite platine CD que j'ai branchée. Et regarde, je vais même te montrer. Hein. T'en as encore ici, t'en as là. Là, t'as toute ma petite collection de Funktone, baby. Et donc voilà. Donc voilà les gars. Donc tout ça pour dire que voilà, dans ces enceintes-là, il y a vraiment deux styles différents. Et c'est vraiment c'est top de pouvoir goûter à différentes saveurs en fait. C'est ça, c'est comme si tu, ouais, si t'aimes bien le vin, voilà, si tu vas goûter un Bordeaux, voilà, un bon vin de Bordeaux, et après tu vas goûter un Bourgogne, voilà, ça va pas être la même chose. Tu vas goûter un vin d'Alsace, un petit Beaujolais. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment différent. Donc ça veut pas dire que c'est moins bon, c'est surtout ça, attention, ça veut pas dire que c'est moins bon. Après, ce qui va rentrer en jeu, c'est la préférence à chacun. Donc voilà, je vais vous faire écouter les enceintes maintenant. Je voulais vous montrer quand même sur les paradigmes un petit truc quand même. Hey, regarde, paradigmes, ils ont vraiment fait les choses bien comme il faut.
Parce que tu sais, ce qui me plaît dans ces enceintes-là, c'est qu'ils ont vraiment fait tout à la main. C'est leur propre usine. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc tu regardes déjà, l'enceinte en elle-même, elle fait quand même 50 kilos, les gars. Je tiens à préciser, 50 kilos pour une enceinte colonne de ce gabarit-là, c'est incroyable. Et à l'époque, vous savez qu'elle était proposée à 2 600 $ neuve. Soit la paire à 2 600 $, il me semble. Voilà. Et c'est des enceintes qui, pour moi, valent plus. Voilà, je vous le dis franchement, hein, ça vaut plus. Là, à l'heure actuelle, tu veux un truc, tu veux une paire d'enceintes du même gabarit, du même niveau, de la même qualité de construction, eh ben, tu peux t'accrocher. Tu peux t'accrocher parce que il va falloir sortir les billets. Regarde, avec ce magnifique plaquage en bois sur le côté, là, je trouve ça vraiment du plus bel effet. C'est superbe. Ah, ils ont pas lésiné, hein. Franchement, paradigme, chapeau. Chapeau. Avec les petits pieds en bas, là, que tu vois. T'as vu les pieds? Ils ont vraiment fait. Travail nickel. Bon, c'est sûr que les Dino Duo, elles sont bien aussi. Elles ont une très bonne construction. Hein, on va pas se leurrer là-dessus. Dino Duo, tu regardes la caisse. Tu peux y aller. Excuse-moi, ça résonne un peu. Et du coup, le petit. Bon, ce que j'aime pas, c'est le vinyle, tu vois, qui est posé dessus. Donc, bon, voilà, ça, c'est après. Hein, c'est pas rédhibitoire, mais bon. Le vinyle, je ne suis pas fan. Je suis pas fan. Après, ça dépend du prix des enceintes. Celles-ci, je sais plus à combien elles étaient. Je sais plus si elles étaient aux alentours de 2005, 2005, 3000 euros. Je sais plus trop, mais bon. En tout cas, voilà. Deux bonnes enceintes. Et on va se faire une petite écoute. Parce que là, il est déjà 16 h 30, mon ami. Oh, oh, oh. On va se dépêcher. Donc, attends. Là, c'est lesquelles qui tournent? C'est les Dino Audio. Allez. On va faire des petites écoutes, les gars. Toujours sur mon petit ampli d'amour. Kenwood L1000C. Tiens, on va commencer avec les paradigmes parce que je vous ai fait une petite intro avec les Dino Audio. C'est parti, les amis. Allez, on kiffe, on se fait plaisir. Vous avez vu, il y a le 3D Lab qui est là. 3D Lab S300 que j'aimerais vous faire écouter. Le superbe Marantz PM84 MK2 quand tu regardes la construction de cet ampli. Tu vois qu'ils ont pas lésiné. Hein. Voilà. Attention avec le STK, hein, les gars. Le STK, là. Ça, c'est cette pièce qui tombe souvent en rade. Elle chauffe. Et du coup, souvent, les marrantes de la série PM ont cette maladie. Bon, attendez, je vais ouvrir. Ah, mon petit chat. Allez, viens. Allez, c'est parti. Go pour les écoutes. Audio. Ah non, excuse-moi, paradigme. Super agréable, vraiment. Et on va changer. Thank you.
Regarde Mina si elle aime pas. Non mais elle est incroyable elle. T'as eu le détail dans les dinodio quand même, c'est ouf. Bon les amis, je voulais juste faire une petite précision entre les deux enceintes. C'est-à-dire que au niveau du rendement, on se trouve sur 87 dB pour les... il me semble que c'est les dinodio, 87 dB. Sous 4 ohms, et les paradigmes, elles sont données pour 88 dB. Donc on est vraiment dans des enceintes qui sont assez... Le rendement est assez bas, ce qui fait que, encore une fois, pour les exploiter, il faut quand même des bons amplis qui soient capables de tenir non seulement les boomers, et puis de bien les mener sans distorsion. Voilà, c'est vraiment... l'amplification est très importante pour ces enceintes-là. Et puis voilà, ça me paraît logique, ça me paraît voilà, c'est ça va de pair, ça va de pair. Si tu as des enceintes comme ça qui sont d'un rendement plutôt bas et puis même à l'écoute, tu le ressens, enfin surtout pour les paradigmes, elles sont hyper gourmandes parce que t'es obligé de monter le volume pour tu vois pour les exploiter encore plus, alors que les dinodio, tu vois, elles tu peux leur mettre un amplitude, bon elles vont quand même kiffer, tu vois, juste avec mon consonance, ça marche déjà très très bien. Voilà, là où les paradigmes, elles ont vraiment du... Elles ont un fort pouvoir. Fort pouvoir, pourquoi? Parce qu'elles descendent très bas dans le grave et que, à mon avis, les haut-parleurs derrière, ils ont un sacré, ils doivent avoir un sacré châssis avec des aimants conséquents. J'ai pas démonté, mais ça viendra un de ces quatre. On se fera le petit démontage. Voilà, les gars. Bon, alors, on continue. J'avais fait la petite parenthèse hein, pour le rendement des enceintes qui sont données. Toutes les deux, elles peuvent encaisser jusqu'à un ampli avec 300 watts. Hein, donc, c'est pas négligeable. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Alors, hop. On est sur lesquels là? Dinodio. Quelle matière, la matière qu'elles ont les enceintes, ça c'est incroyable. Attendez, on va repasser un autre morceau. Mais les amis, hop, je tiens à vous préciser que les dinodio ont une... Les paradigmes ont cette matière de son qui est assez... je trouve que c'est très corporel. C'est touché en fait. Tu vois, par exemple, la voix d'un artiste, la voix masculine d'un artiste va bien ressortir. Je sais pas, c'est charnu, quoi. C'est charnu. Là où la dinodio, tu vois, ça va être un peu plus... ça va être plus feutré, c'est pas pareil. Franchement, je vous dis les gars, c'est vraiment pas pareil, c'est un truc de dingue. Allez, on s'écoute ce petit son d'électro. Vous allez voir encore une fois là sur le côté grave des paradigmes que c'est énorme. Même si sur les dinodio, c'est pas en reste non plus. Oh.
monument. Elle monte un peu plus les dinodios. Impactant, tu vois, mais t'as pas l'ampleur du grave de la paradigme. Alors, on va changer de son, les gars. On va mettre un autre son. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la dent? Qu'est-ce que j'ai sous la dent? Genre les dinodios, hein. Ils tournent. Allez, ça castagne. La castagne. Qu'elles sont plus gourmandes, hein, les paradigmes. Bon, c'était kiffant quand même. Allez, petit changement. Qu'est-ce qui va nous attendre? Allez, gars, avec moi, vous aurez toujours du son différent. Vous savez, je suis anticonformiste. Surtout la musique, faut pas déconner. Il y a tellement de genres différents. Faut pas s'en priver. Hein. Bien ça. Sont très agréables sur la guitare et d'inaudio.
c'est bon ça. Mina, elle aime bien. Elle aime bien, regarde. Musique acoustique, les gars. Sur des musiques acoustiques, hop. Les dinodios sont vraiment très très bien. Je vous le dis, hein. Quand tu mets des petits sons de gratte et tout, hop, tu te fais des petits plaisirs miraculeux comme ça. Tu vois. Et ça, tu te lèches les babines en fait. C'est des plaisirs. Tu vois, je suis en train de les regarder tout en te parlant tellement c'est bon. C'est un truc de ouf quand même. Attends, on va changer de musique. On va mettre un autre genre. Ah. Oh. Je sais pas si on me voit d'ailleurs. Je sais pas c'est quoi ce petit son. Les gars, je vous dis, je suis à la cool. Hein. À la cool, à la baraque, hein, parce que après ça va être mouvementé après. Bon, on se passe ce petit son un peu funky là. Allez, vas-y. C'est bon ça. Tu vois, c'est moins mon temps. Là, c'est moins mon temps. C'est pas la même signature, c'est plus doux, mais très très enveloppant. Là, j'ai qu'une envie, tu vois, c'est de pousser le volume là-bas. Ça, c'est l'effet paradigme. Là, j'adore les paradigmes là-dessus. C'est, y a pas photo. Hein, les paradigmes, je kiffe. Après, vous me direz en commentaire, les gars, si vous préférez les dinodios ou les paradigmes. Allez, on change. On va mettre un autre petit son. Ah ouais, 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 ouais. Pas. Ils sont énervés les pas. C'est moins bon, c'est un peu plus criard, le grave est moins, c'est pas pareil. Là tu vois, je préfère vraiment les paradigmes, je vous dis les gars, c'est voilà, même si sur ce petit passage là il faut bien.
Alors oui, elles peuvent te sonoriser de grands espaces, les dinodio. Ça, y a pas de problème. Franchement, si t'as l'ampli qui va avec derrière, franchement, elles y vont. Y a pas de problème. Et on va changer de style. Enfin, de style, de musique. Hein. Je sais pas à chaque fois trop ce que j'ai dans... Mais bon, c'est les musiques que j'écoute régulièrement dans mes vidéos, donc... Celle-là, on... Bon, un petit son moderne. C'est vrai qu'on en passe pas... J'en passe pas souvent des sons modernes, mais... Faut savoir que, bien entendu, il y a des gens qui écoutent aussi des musiques de ce genre-là. Bah, moi y compris, hein, de toute façon. Le haut médium, tu vois, il pique un petit peu là. Je sais pas si tu entends. Non, tu entendras pas, mais bon, je le dis. Déjà, le grave il descend énormément. Oh là là. Voilà le grave il passe comme ça et il vient me saisir juste en dessous là, tu vois, et cette sensation là qui est super qui est assez ouf. Ça me rappelle Chips. Je sais pas si vous avez connu la série Chips, les gars. Moi, ça, j'adore ces petits sons là. On va aller voir les dinodio. Les amis, je vais devoir vous laisser, comme d'hab. Hey, regarde si je te dis pas de conneries. Parce que là, il y a la bagnole qui vient d'arriver là. Regarde, hop, tu vois, la bagnole vient d'arriver. Donc, ça veut dire que la fête est finie, je peux fermer la discothèque. Bon, les gars, ce petit, voilà, je vous ai fait cette petite vidéo vraiment avec grand plaisir. Je me suis fait kiffer en même temps. Et puis, j'espère que vous avez bien aimé tous ces petits sons. Et dites-moi si vous préférez les dinodio ou les paradigmes. Vous savez que moi... Forcément, je penche pour les paradigmes.
pour beaucoup de raisons, voilà. Et même si les Dynaudio ont vraiment de très bons atouts également. Mais bon, dans tous les cas, c'est des enceintes qu'on trouve quasiment pas. Donc j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais vous inquiétez pas, le jour où je vais vous tester des enceintes qui sont commercialisées dans le commerce, je pense que ça va être super sympathique. En tout cas, ça va être un pur plaisir, les gars. Bon, allez, ciao, ciao, prenez soin de vous, bisous à tous. Et puis, bon, on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao.